amour éternel, le Dieu de gloire, accompagne-nous, Seigneur, pour moi. Je repousse, tendre Père, tout ce qui ne parle de toi dans ce programme, tout ce qui perturbera ce programme, nous l'éloignons de cet instant, Seigneur, pour moi. Que ta main puissante et invisible soit avec nous, dans le nom merveilleux, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui dit « Gloire au Seigneur ». Gloire au Seigneur. Ou j'entends quelqu'un qui dit encore gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons rapidement prendre nos Bibles afin de connaître la pensée de Dieu pour ce matin. Oui, Dieu a un mot pour toi. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 7, verset 26. Exode chapitre 7, verset 26 nous dit exactement ceci. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par les grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera des grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs, dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Bien-aimés, Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon pour aller lui dire de laisser son peuple partir pour aller les servir. Bien-aimés, lorsque Dieu nous délivre pour un but. Dieu nous délivre, bien-aimés, dans le Seigneur, non pas pour aller pleurer, mais lorsque Dieu nous délivre, c'est pour aller les célébrer. Voilà pourquoi pendant 14 jours, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions devant la présence de Dieu. Nous avions eu le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Bien-aimés, Dieu a ordonné que nous puissions vivre notre liberté. Voilà pourquoi ce matin, nous ne sommes pas encore venus nous battre, mais nous sommes venus célébrer une victoire. Oh, je parle à quelqu'un ce matin, nous sommes venus célébrer une victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que ce matin, nous sommes venus célébrer une victoire? Est-ce que quelqu'un comprend que ce matin, il doit se présenter à l'église dans une attitude de célébration? Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend que ce matin, il doit se lever ce matin dans la présence de Dieu et célébrer sa délivrance? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin que le pharaon de ta famille a resté l'ordre de l'Éternel de libérer ton mariage, de libérer ta santé, de libérer ta vie, de libérer ta maison? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin, ainsi dit l'Éternel, tu n'es plus captif dans la maison des pharaons? Est-ce que quelqu'un peut sortir de la maison des pharaons ce matin pour aller célébrer la Adonai? Non, tu ne comprends pas. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut sortir de la maison des pharaons pour aller célébrer le rocher des âges? Est-ce que quelqu'un peut agiter sa main? Est-ce que quelqu'un ce matin veut se dire Jésus-Christ est Seigneur?
célébrer celui qui nous a libérés, celui qui nous a fait du bien pendant les 14 jours. Nous sommes bénis, célébrés. Est-ce que ce matin, quelqu'un comprend qu'il y a un temps pour toutes choses? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire, j'entre dans ma saison de célébration ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, j'enterre la saison de pleurs? Je commence à célébrer ma saison de gloire. Oh, est-ce qu'un homme prophétique peut voir la saison changer? Oh, est-ce qu'un homme de vision peut voir la gloire qui est devant toi? Le temps de pleurs est devant moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, le temps de pleurs reste devant moi, derrière moi? Devant moi, il y a un temps de gloire. La célébration que je commence à maintenant m'accompagnera jusqu'en 2024. J'entrerai dans la nouvelle année en célébrant l'Éternel des armées. Voilà pourquoi je proclame et déclare 2024 pour moi, c'est une année. Je le proclame, que le ciel m'écoute. 2024, ce ne sera plus une année de pleurs, ce sera une année de célébration. Je ne discute pas avec mes ennemis, je les annonce. Dans ma famille, dans mes affaires, dans mon ministère, dans mon mariage, j'entre maintenant dans ma saison de célébration. Annonce-les à celui qui est à côté de toi, annonce-les. Est-ce que tu peux aller circuler dans la salle, dire à quelqu'un, c'est mon année de célébration. Dis-lui, je suis venu simplement t'annoncer que cette année, c'est une année de célébration. Même s'il ne croit pas, dis-lui, tu verras ma célébration cette année. J'entrerai dans la gloire. Je célébrerai l'Éternel et Dieu. Oh, je suis sorti pour aller célébrer. Oh, ce meuble, je porte maintenant les habits de célébration. Oh, je porte maintenant les habits de gloire, ma tenue de célébration. Oh, j'enlève la tenue de deuil. Oh, j'enlève. Est-ce que quelqu'un peut poser un acte prophétique? Commencez à ôter les manteaux. À ôter les manteaux de la honte. Commence à ôter, commence à proclamer. Tu es un prophète, commence à déclarer. Tout ce qu'un homme prophétique fait, il est significatif. J'enlève le manteau de la honte. J'enlève le manteau de l'humiliation. J'enlève le manteau de l'échec. J'enlève le manteau de célibat. J'enlève le manteau de l'humiliation. J'enlève le manteau de retard. Commence à enlever, déclare-le toi-même pendant que tu le déclares. Déclare-le, c'est ta prière, commence à déclarer. Je commence à enlever ce matin le manteau de la honte. J'enlève ce matin, bien-aimé, un manteau, tu dois perdre un manteau pour posséder le manteau dans la maison de Potiphar. Il y a un manteau de la maison de ton père que tu dois perdre. Oh Jésus, on commence à ôter. Seigneur, j'enlève le manteau des hommes. J'enlève le manteau que les hommes m'ont donné pour entrer dans ma nouvelle année. Le manteau, maintenant commence à porter le manteau de la célébration du Seigneur. Par la foi, je porte maintenant mon habit de
des célébrations. Lorsque tu vas à la fête, il y a des habits de fête. Lorsque tu vas au travail, il y a des habits de travail. Lorsque tu vas à la maison d'été, il y a des habits d'été. Mais maintenant, j'enlève le manteau du deuil pour porter le manteau de la célébration. Sur le plan prophétique, à partir de maintenant, je le pose sur moi. Le manteau de la célébration. 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 Écoutez cette révélation. Lorsque tu es à la maison, tu portes les habits de la maison. Mais lorsque tu vas aller au travail, tu enlèves les habits de la maison et tu portes la tenue du travail. Et celui qui te voit changer de tenue, il comprendra directement que le temps a changé. Ce n'est plus le temps de rester à la maison, c'est le temps d'aller au travail. Oh, je proclame et déclare, à partir de ce matin, tu portes le manteau de la célébration. Oh, j'annonce dans ta vie, l'heure de la célébration a sonné. Voilà pourquoi sur toi. Hey, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Ce qui faisait la différence entre Joseph et ses frères, c'était le manteau tricolore, que la tunique tricolore, que le père a confectionné pour lui. Oh, je proclame et déclare, à partir de ce matin, que Dieu puisse poser sur toi un nouveau manteau, et un nouveau manteau qui te dérange. Non, 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 non. Tu ne comprends pas. Écoutez. Lorsque tu vas dans la fête des gens du monde, ils disent très bien, la tenue des fêtes est exigée. Donc lorsque tu vas dans certains endroits, ils t'exigent une tenue, la tenue des villes. Donc tu ne peux pas aller dans certains environnements avec n'importe quelle tenue. Voilà pourquoi lorsque tu veux rentrer dans ta saison de célébration, tu dois changer ta tenue. Ah. Même si tu ne veux pas, la saison dans laquelle tu entres t'exige et t'impose une tenue. L'air a sonné. Lorsque la saison change, la tenue doit changer aussi. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Lorsque David avait perdu son enfant, il avait enlevé ses habits royaux pour porter la tenue des deuils. Parce que la saison était la saison des deuils. Mais lorsque, après avoir enterré son enfant, lorsqu'il a quitté les deuils, la Bible nous dit qu'il rentra dans la maison, il prena bain et il changea sa tenue. Parce que la saison du détail avait fini, il était rentré maintenant dans la saison où il devait glorifier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour porter la tenue d'été. Il y a un temps pour quitter la tenue d'été. Je proclame et déclare. L'ère de la tête de deuil est finie. L'ère de pleurs est finie. L'ère de l'humiliation est finie. Tu as enterré ton problème. Bien aimé, lorsqu'on enterre son enfant, lorsqu'on enterre son frère, on change de tenue. Bien aimé, dans le Seigneur, lorsque tu enterres tes échecs du passé, lorsque tu enterres le combat du passé, tu changes la tenue. On dit j'ai enterré mes échecs du passé. On n'enterre pas pour aller déterrer. J'ai enterré. Commence à enterrer. Prophétiquement, commence à enterrer. Les échecs du passé. Commence à enterrer. La honte du passé. L'humiliation du passé. Les célibats du passé. Le maladie du passé.
passer. Je les enterre, je les enterre, je les enterre. Allez, commencez à enterrer, recommencez à enterrer, recommencez à placer. Tout ce qu'on enterre, on ne voit plus. Tout ce qu'on enterre disparaît devant nos yeux. Recommencez à enterrer, recommencez à enterrer. Ce que tu ne veux pas voir, enterre-le dans la pierre. Ce que tu ne veux plus voir, enterre-le dans la pierre. Enterre-le maintenant. Recommence à enterrer, recommence à enterrer, recommence à enterrer. L'humiliation du passé, la honte du passé est enterrée. On enterre plus pour déterrer. Lorsqu'on enterre, la chose disparaît de mes yeux, il disparaît de ma vie. Hey, lorsque tu enterres, tu ne vois plus. Tu ne vois plus. Mes combats de 2023, je les enterre. L'humiliation de 2023, oh, je commence à l'enterrer. Oh, les maladies de 2023, oh, je commence à l'enterrer. On commence à enterrer. On commence à enterrer. Nous sommes des hommes et des femmes prophétiques. On commence à enterrer. Il a dit au commencement était la parole. La parole qui appelle. Bien aimé, nous sommes des dieux. Un dieu peut faire disparaître. Il est beau, si tu mets les bras. Il a dit tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu enterres aujourd'hui, personne ne pourra le déterrer. Personne ne pourra aller le déterrer. Dis j'enterre. Le problème de ma famille, j'enterre le combat dans ma maison. J'enterre. Quand je vois quelqu'un qui est en train d'enterrer le diabète, quand je vois quelqu'un qui est en train maintenant d'enterrer, 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 l'hypertension, d'enterrer, le cancer, d'enterrer, la maladie de son enfant. Quand je vois quelqu'un qui est en train d'enterrer le combat dans son mariage, quand qui est en train d'enterrer. On qui est en train d'enterrer, on commence à enterrer, on commence à enterrer, on commence à enterrer, on commence à enterrer. Ce qui se passe dans ta maison, ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans ta maison, enterre-le. Nous sommes venus, non pas d'enterrer, mais nous sommes venus. Rakamalama, il est rebondi, il est brossé comme un bras. Place-les sous tes pieds, ce que tu enterres sous tes pieds, ce que tu enterres et sous tes pieds. Il nous a donné l'autorité de marcher sur ce qui est à terre. Enterre-les, 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 enterre-les. Le pied symbolise la possession, symbolise. Il a dit en tout lieu où tu mets tes pieds. Je te donne cet endroit à l'autorité. Commence à prendre l'autorité sur ce que tu enterres. On commence à prendre l'autorité sur ce qui est enterré. Ne sors pas de cette année sans enterrer ce qui t'avait fait pleurer. Enterre la division de ta famille. Enterre l'humiliation. Enterre la stérilité. Il a dit ces Égyptiens, vous ne verrez plus. Il y a des choses que tu ne veux pas voir. Dieu les avait enterrées dans la mer rouge avant d'entrer à la Canaan. Dieu avait enterré Pharaon et son armée dans la mer rouge. Il y a des choses que tu dois enterrer. Il y a des choses que tu dois enterrer avant de traverser la mer rouge. Il y a des choses que tu dois enterrer. Que l'armée des pharaons reçoit enterrer. Quand que les pharaons qui combattent ma vie, je l'enterre maintenant. Oh, 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 je l'enterre maintenant. Réponse à ta main. Ne traverse pas avec Pharaon. Enterre-les.
enterre-les. Tout ce qui fait la voix de ton malheur, enterre-les. Tout ce qui fait voir tes larmes, qu'il ne soit enterré, oh, 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 je commence à enterrer, ou tout ce qui parle ma mal, tout ce qui compte ma vie, ou tout ce qui compte ma vie, ou la ma 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 avant que je traverse, il y a une maladie qui doit être enterrée. Avant que je traverse, il y a une honte qui doit être enterrée. Vous ne savez pas ce que j'ai enterré dans ma vie. J'enterre le combat dans la vie de mes enfants. Oh, je commence à enterrer le combat de la vie de mon enfant. Oh, je commence à enterrer la maladie dans la vie de mon enfant. Oh, je commence à enterrer le combat, le célibat, on l'a fait ça. Et les mots s'éteignent, y'a la barre dans la bosse. Impose la limite à ton problème. On commence à tracer la ligne de démarcation. Aujourd'hui nous sommes venus tracer une ligne que ton problème ne passera pas. Tu es mon spirituel, trace maintenant la ligne. D'ici à cette ligne maintenant, je prends le ciel en témoin. Je trace la ligne, mon humiliation ne marchera pas la date d'aujourd'hui. Ma honte commence à tracer, commence à tracer, commence à tracer. C'est ici la fin, c'est ici la fin de ma souffrance, c'est ici la fin de mon humiliation, c'est ici la fin de ma maladie, c'est ici la fin de plaire à ma vie, c'est ici la fin de l'humiliation à ma vie. La mer rouge, c'est l'air limite. La mer rouge, c'est l'air limite. C'est une prière prophétique, c'est une prière prophétique, c'est une prière prophétique. Commence à tracer la ligne qui ne passeront là, la ligne qui ne passeront jamais, la ligne qui ne passeront jamais, la ligne qui ne passeront jamais, la ligne que tu ne passeront jamais. Quelle que soit leur force, je trace la ligne, je trace la ligne, je trace la ligne. À partir d'aujourd'hui, la ligne est tracée. La ligne est tracée. Impose une limite à ton problème. Oui, tu as ce pouvoir-là. Parle à ta maladie. Parle à ses problèmes. Parle à ses problèmes. Parle à ces problèmes. Toi, humiliation, je sais que tu m'écoutes. À partir de ce matin, voici ta limite. 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 Toi, humiliation, je te montre ta limite. Tu ne passeras pas cette limite. Je place la limite. On commence à placer ces problèmes qui te font pleurer. Commence à placer la limite. La limite. Ces problèmes qui dérangent ton mariage, tes enfants. Voici la limite. Les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu. Lorsque la souffrance avait débordé en Égypte, les doigts de Dieu étaient sortis. Dieu avait écrit de son doigt, mais les mains étaient qu'elles. C'était la fin. Lorsque les doigts de Dieu apparaissent, c'est la fin. Lorsque les doigts de Dieu écrit, oh, c'est la fin. La fin.
limite, la limite, la limite. Mes ennemis, voici la limite. Voici la limite que j'ai tracée. Voici la limite. Il se jouait de ta vie parce que tu n'avais pas imposé une limite. Il faisait n'importe quoi parce que tu n'avais pas imposé la limite. Monte dans la dimension spirituelle et impose-le la limite. Monte dans la dimension supérieure et pose la limite. Monte dans une dimension plus haute. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as fait de toi un Dieu pour Pharaon et pose la limite à Pharaon. Il a dit Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Tu, que Dieu te fasse de toi un Dieu pour ses problèmes. Un Dieu, c'est celui qui ordonne. Un Dieu, c'est celui qui ordonne. Commence à ordonner. 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 C'est le 14e jour, la limite. Ce que tes ennemis ne savaient pas, ils te voyaient prier, mais ils ne savaient pas. Au dernier jour, tu monteras dans la dimension spirituelle et tu imposeras la limite. On t'avait prié le premier jour, le 15e jour, mais ils ne savaient pas que tu as un homme spirituel. Tu les as pris en surprise. Tu les as pris en surprise. Ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, tu vas leur imposer la limite. Voici 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 la limite. La maison de mon père. Voici la limite. La maison de ma mère, voici la limite. Mes ennemis, c'est aujourd'hui que je relâche une limite. Il y a des gens dans leur vie, ils ont imposé la limite à tout. Il y a des gens dans leur vie qui ne peuvent pas jouer dans leur vie parce que ce sont des gens qui ont imposé la limite dans leur vie. Montre la limite. Montre la limite, montre la limite. Ils ont tellement joué, ils ont tellement joué. Aujourd'hui, 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 impose, 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 impose la limite. Dieu m'a amené dans ce pays. C'est aussi dans ce pays que je place la limite. La limite est de là. J'entre dans ma maison. Entre maintenant dans ta maison. Entre dans ta maison. Commence à poser la limite dans ta maison. La limite que l'ennemi ne peut pas dépasser. Entre dans ta maison maintenant. Entre dans ta maison. Pour la sainte maison, il y a une limite que l'ennemi ne passera pas. Dans ma maison, la maladie ne passera pas. La mort ne passera pas. La poussée, les problèmes ne passeront jamais. Il oppose dans cette maison. Je pose la limite que la honte ne passera pas. Dans ma maison, je pose la limite. Les disputes ne passeront pas. Entre maintenant ton couple. Place la limite. Place la limite. Place la limite. Les incompréhensions. Les disputes ne passeront plus cette limite. Ne passeront plus cette limite. Ne passeront plus cette limite. À mes fiançailles, je trace la ligne. Je trace la ligne. À mes fiançailles. Le mal ne passera pas. Dans mon église, je passe la nuit. Que le mal ne passera jamais. Ne passera jamais. Ne passera jamais. Ne passera jamais. La sorcellerie a une limite. La sorcellerie de la maison de mon père. Voici la limite. Voici la limite.
voici la limite. La Bible dit tout ce qui sera lié sur la terre est lié dans le ciel. Oh, que le ciel enregistre tes paroles. Oh, le ciel est en train d'enregistrer. Oh, parle, 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 parle. Le ciel est en train d'enregistrer ce qui est en train de sortir. Le ciel est en train d'enregistrer ce qui est en train de sortir. Même si la maladie veut avancer, le ciel a dit, il a tracé la limite. Oh, ça, il a pensé. Même si l'humiliation veut déborder, le ciel va répondre. Il a proposé, il a placé la limite. Il a placé la limite que tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas dépasser. Oh, tu ne peux pas dépasser. Oh, tu ne peux pas dépasser. Même si la sorcellerie s'élève dans ton mariage, le ciel en parlera, le ciel en témoignera, le ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Que le ciel parle, que le ciel parle, que le ciel parle, que le ciel témoigne, qu'il a placé des limites dans sa vie, dans le règne spirituel, dans le règne spirituel. Jésus, oh Dieu merveilleux, oh j'aime comment tu pries, oh j'aime comment tu pries, oh j'aime comment tu pries, j'aime cette prière prophétique, oh j'aime cette prière prophétique. Oh, j'aime cette prière prophétique que tu es en train de faire. Oh, j'aime cette prière prophétique. Oh, j'aime cette prière prophétique. Oh, j'aime. J'aime cette prière prophétique. Nous sommes déjà au-delà de la mer rouge. Nous prenons les chemins de Canaan. Oh, nous prenons les chemins de Canaan. Je prends les chemins de Canaan. Je prends les chemins. Cana, je prends les chemins de Cana. Importe le combat dans les déserts, j'irai vers Cana. J'irai vers Cana. Tu es en train de déposer sur Cana la grâce de Josué, de ce que le désert n'arrête pas. Oh, je proclame et déclare que Dieu déverse sur toi la grâce de Josué. Ce qui amène la famille à la terre promise. Oh, que Dieu dépose sur toi une onction que le désert ne peut jamais. Arrêtez. 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 On commence à dire à Dieu que la grâce de Josué est sur moi. La grâce de ceux qui ne restent pas dans les déserts. La grâce de ceux qui entrent dans les déserts. La grâce. Adonai. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. J'entends quelqu'un qui dit j'entrerai. J'entends quelqu'un qui dit j'entrerai. Je posséderai. Car j'ai été équipé pour vaincre les déserts. Et posséder la terre promise. Les déserts de ma vie. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Et tu ne m'arrêteras jamais. La maladie. Tu ne m'arrêteras jamais. Tu ne m'arrêteras jamais. J'ai déjà pris mon chemin. Vers la terre promise. Vers la terre promise. Vers la terre promise. D'une façon prophétique. Allez commencer maintenant. L'esprit est toujours en avance. Commence à entrer maintenant. Commence déjà à entrer. Commence déjà à entrer dans la terre promise. Commence à posséder 2024. Commence à posséder en 2024. On commence à entrer. On commence à entrer. On n'attend pas la fin de l'année. Sur le plan spirituel, on est en avance. On commence à entrer. On commence à entrer. On commence à entrer dans la terre promise. Commence à entrer et posséder 2024. Commence à
procéder, commence à procéder, commence à procéder, commence à te projeter. Oh, commence à te procéder. Il chante déjà en 2024. Je procède la gloire de cette année, la gloire de 2024, de ma gloire. La gloire de 2024, oh je la possède, 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 la gloire de 2024. Je possède mon mariage. Je possède mon élévation. Je possède. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Commence déjà à entrer. Commence à entrer. Nous sommes les sauvés, les femmes spirituelles. Et l'homme spirituel est toujours en avance. Pendant que les gens du monde attendent le 31 décembre, nous nous sommes. Nous sommes déjà dans Canaan. Nous sommes déjà en 2024. Nous sommes en train de posséder. Je suis positionné Je suis déjà positionné là en 2024. Je suis déjà là. Je suis déjà en 2024. Mon esprit est plus rapide que mon corps. Mon esprit est déjà là. Mon esprit est déjà là. On commence à parler à 2024. Tu es déjà là, tu es déjà là. Pendant qu'ils vont célébrer le 31 décembre, toi tu seras déjà en avance. Je suis déjà en 2024. Nous ne nous attendons pas les calendriers. Nous dépendons des calendriers divins. On n'attend pas les calendriers des hommes. Hey! Je suis déjà là. Je ne manquerai derrière. Je suis déjà là. Papa, que 2024, que tu ne manques derrière, éternel Dieu. Que 2024, que tu ne manques derrière, Adonai. Si en 2023, j'avais pleuré, éternel Dieu, tout puissant. Je déclare au Père de Dieu qui est dans ta parole. Éternel est mon Dieu. Je ne manquerai derrière. Je suis ton président. Oh, j'aime ça. Tu restes dans mon âme, Adonai. Oh, j'aime ça. Tu restes dans mon âme, oh, j'aime ça. Que 2024 soit mon cœur. Je suis venu aujourd'hui seulement célébrer ma position. Je vis dans le monde sur la terre pour 2024. Célébrer ma position. Je me manquerai derrière. Je proclame et déclare que Dieu puisse faire de toi un Dieu pour 2024. Que tu entreras en 2024 comme un Dieu. C'est ça ta position spirituelle. Il a dit à Pharaon, j'ai vu le combat. Plus le combat est grand, plus Dieu t'élève dans la dimension des dieux. La dimension, c'est la dimension des dieux. Que Dieu t'élève en 2024 dans la dimension des dieux. Tu n'es plus à la maison des pharaons. Lorsque tu étais sorti de la maison des pharaons, ça pourrait te positionner comme un Dieu devant pharaon. Je vois quelqu'un qui élève les mains qui dit merci. Je vois quelqu'un qui élève les mains qui dit l'année de la célébration. Je vois quelqu'un qui dit 2024, c'est l'année de la célébration. Lève la main droite. Est-ce que tu sais que le ciel vient enregistrer les paroles d'un homme? Est-ce que tu sais que la terre peut enregistrer les paroles d'un homme? Sous l'onction qui est sur toi, lève la main droite. Du ciel,
Ciel. Retiens ceci. Retiens ceci. Pour ma vie. Pour ma vie. Pour ma maison. Pour ma maison. Pour mes enfants. Pour mes enfants. 2024. Inscris-les. Comme une année. De célébration. Pour ma maison. Pour ma maison. Pour ma vie. Pour ma vie. Pour mon travail. Pour mon travail. Pour mon ministère. 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 Nous sommes dans des déclarations prophétiques. Oh yes. Nous avons toujours la main levée. Alléluia. Maintenant, tu parleras à la terre. Dis terre. Retiens ceci. À partir d'aujourd'hui. Retiens. 2024. Comme une année de célébration. Partout où je mettrai mes pieds, je célébrerai. Lorsque je serai à la maison, je célébrerai. Lorsque je serai au travail, je célébrerai. Que mes pieds. Parle à tes pieds maintenant. Dis mes pieds, je t'ordonne de me conduire dans un environnement où je serai célébré. Conduis-moi vers la terre de la célébration. Il y a des choses qui se passent. Lève la main droite. Messieurs, à partir d'aujourd'hui, retenez ceci. En 2024, tu ne verras rien d'autre que ma célébration. Tu ne verras pas ma honte. Tu ne verras pas mon humiliation. Tu ne verras pas les combats. La célébration. Yes, Lord. Alléluia. Lève tes deux mains. Dis mes mains. À partir d'aujourd'hui. Retenez ceci. Je vous donne. Un travail. En 2024. Vous allez claquer. Je vais claquer mes mains. Pour célébrer. Le mec que je suis en train de claquer maintenant. Annonce ma célébration. On commence à claquer la main. Oh yes. Le ciel est en train d'enregistrer. Les anges de Dieu. Le ciel est silencieux maintenant. Parce qu'il y a un fils qui est en train d'inscrire le parole prophétique. Non pas sur le sol, mais sur le rocher. Ce que tu ne sais pas spirituellement, tu es en train d'écrire ton histoire de 2024. Un homme spirituel peut monter dans le règne spirituel et écrire son histoire. Mets la main droite sur le cœur. Dis mon cœur. Ne pleure plus. Ne t'épouvante plus. Ne sois plus dans la tristesse. Dis mon cœur. Ne
sois plus dans la tristesse. Ne sois plus dans la tristesse. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce qu'en 2024, tu ne pleureras plus. Tu ne seras plus dans la désolation. Tu ne seras plus dans la désolation. En 2024, mon cœur, tu célébreras. Tu célébreras. Tu célébreras. Car le ciel a parlé. Car le ciel a parlé. 2024. Mon cœur. Retiens ceci. Même dans les combats. Même dans les combats. Même si on ne voit rien. Même si on ne voit rien. Mais le ciel a inscrit. Mais le ciel a inscrit. 2024. C'est notre année. De célébration. De célébration. Mon cœur. Mon cœur. Tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. La célébration que je commence aujourd'hui. La célébration que je commence aujourd'hui. Va m'accompagner. Va m'accompagner. Tout au long de 2024. Tout au long de 2024. Aucun démon de l'enfer. Aucun démon de l'enfer. Ne changera ses paroles. Ne changera ses paroles. Car je signais ma lettre. Car je signais ma lettre. Avec le sceau. Avec le sceau. Céleste. 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 Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Que personne. Que personne. Ne fasse. Ne fasse. Ne change. Ne change. Mes paroles. Mes paroles. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. J'ai ainsi prié. Je finis ma prière. Maintenant, je commence à célébrer dans l'attitude l'adoration. Lève-toi là où tu es. Donne une belle acclamation à Dieu. Oh, donne une belle acclamation à Dieu. Oh, donne une belle acclamation à Dieu. Parce que quelqu'un est en train de célébrer. Et aujourd'hui, la saison a changé. Je ne sais pas si tu comprends que la saison a changé. C'est la saison de la célébration. J'étais en prière. Je dormais la nuit, j'ai dit, Seigneur, tu nous as dit. Le fils d'Isaac avait l'intelligence des temps. Le fils d'Isaac a orienté le peuple d'Israël. Lorsqu'il vérifiait les écritures, il comprenait dans quelle saison Israël se trouvait. J'ai dit, Seigneur, si nous savons l'intelligence du fils d'Isaac, qu'est-ce que tu dis par rapport à lui? Je finis ma prière, là, je me suis endormi. Au milieu de la nuit, je vois le ciel. On me dit, est-ce que tu lis ce qui est écrit? Je dis, non, je ne vois pas. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je ne vois pas trop bien. Il a dit, monte encore. Je monte. Quand je regarde ce que je lis dans le ciel, on a écrit 2024, une année de célébration. Amen. Une année de célébration. Un frère m'appelle le même jour le matin. Il me dit, pasteur, je rêvais dans le songe, je vis. Nous étions à l'église. Tu donnais à tout le monde un rameau. Et on prenait ces rameaux-là. On sortait de l'église en chantant. On allait dans la rue, les gens croyaient que nous étions de fous. Parce qu'on agitait nos rameaux. Le rameau symbolise la célébration. Est-ce que quelqu'un a même célébré la célébration? Aller dans ta maison, que ce soit dans ta salle de bain, écris une année de célébration. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent être des fous. Hein? Prends même ta chaussure, tourne ta chaussure et écris en bas. Année de la célébration. Il y a des gens qui sont des fous de Jésus, des hommes prophétiques. Regarde, devant la porte de ta maison, la porte lorsque tu sors, prends un bout de papier, écris sur la porte et colle ça à l'année de la célébration. À chaque matin quand tu sors de ta maison, ce que tu lis, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Que rien ne te change, que rien ne change dans la vie.
combat ou pas combat dans le désert, l'ordonnance a déjà été signée. C'est mon année de célébration. Amen. Parle à tes enfants, parle à ta femme, que cette année dans notre couple, c'est l'année de célébration. Quand je vois quelqu'un qui lève la main, qui dit dans ma famille, c'est une année de célébration. Ma famille, c'est une année de célébration. Nous allons célébrer cette année. Nous allons célébrer cette année. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Oh, il est le Dieu promis. Est-ce que quelqu'un est prêt à célébrer? Est-ce que tu peux bouger un peu? Tu peux bouger, bouge un peu. Nous allons célébrer maintenant. Nous sommes une génération choisie, appelée pour monter son échelon. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Est-ce que tu peux le proclamer? Nous sommes une génération choisie, oh, appelée pour monter son échelon. Il est puissant pour sauver, il ne change pas.
qui traversera toute l'année 2024. Amen. Je proclame et déclare, 2024, tu entreras avec cette joie. Amen. Et 2024, ça sera ton année de célébration. Amen. Qu'ils le veillent ou pas, qu'ils élèvent des autels maléfiques ou pas, la loi de l'exception. Lève la main, dis-moi, je fais l'exception. Dans ma famille, je fais l'exception. J'amènerai la célébration dans ma famille cette année. J'amènerai la célébration dans mon mariage cette année. J'amènerai la célébration dans mon église ce matin. Maintenant, pour célébrer, ça prend une discipline. Ça prend l'intelligence et la sagesse de la célébration. Voilà pourquoi on va nous enseigner maintenant comment on protéger et garder la célébration en 2024. La Bible dit que c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Alors comment ne pas perdre la célébration dans sa vie? Baisse la tête. Dites à Dieu, Seigneur, c'est le dernier message de l'année. Je voudrais que tu me parles pour cette année. Laisse la tête et parle à Dieu. Prions notre Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa. En ces derniers messages de l'année, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Après ces 14 jours de prière, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous, Seigneur, que tu nous communiques ta pensée, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, parle-nous, instruis-nous, Seigneur de gloire. Nous recommandons l'orateur de ces jours entre tes saints. Utilise les puissants pour communiquer ta pensée à ton Père, Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Amen. La Bible nous dit, nous devons double honneur à ceux qui apportent la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons honorer celui qui apporte le dernier message de l'année? Est-ce qu'on peut l'honorer?